Anything is possible. It started with a dream. Our passion made a difference and built a family. We've grown strong together. You know it's all because everybody plays a part in doing what we love. Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Hello Stamp. On se retrouve aujourd'hui pour continuer notre organiseur, notre présentoir à petit bidule, à petit matériel qu'on a besoin lorsque l'on scrape. Donc la semaine dernière, on avait fait le petit modèle, donc le voici. Vous pouvez vous arrêter là si vous le souhaitez, mais on va aujourd'hui terminer le grand modèle. Alors ce présentoir à adhésif, je l'avais fait il y a 3 ans, il me semble, et là je l'ai légèrement modifié pour qu'il soit un petit peu plus pratique et qu'il puisse accueillir un peu plus de matériel. Donc voici celui qu'on a fait la semaine dernière. Je vous mets le lien ici, juste en haut, pour aller voir la partie numéro 1 où on a réalisé donc ce présentoir-là. Et aujourd'hui, on va terminer notre présentoir pour arriver à quelque chose de beaucoup plus conséquent. Voici le résultat final, donc avec le petit modèle qui s'arrête ici et ici en fait. Et là, on va donc rajouter cette partie-là pour tout ce qui est nettoyant et la colle de précision, ainsi que dépôt à crayon pour accueillir nos pinceaux, nos Wink of Stella, etc. Et ici, 2 autres compartiments pour mettre les brosses estompes avec des dimensions qui sont parfaites pour accueillir les brosses estompes sans que les poils ne s'abîment et qu'ils soient appuyés sur quelque chose. Et on va aussi ajouter aujourd'hui, on va d'ailleurs commencer par ça, ici, 2 tiroirs qui s'ouvrent. Vous voyez, ils glissent parfaitement bien, où on va pouvoir mettre des petites choses comme par exemple les recharges de mastic pour l'outil touche à tout, le petit outil, là j'ai la brosse, la gomme pour enlever la colle, et vous voyez j'ai fait 2 petites anses avec du ruban. Donc c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Et vous allez voir, donc ici je vous avais dit que vous pouviez vous arrêter ici si cela était suffisant pour vous. Bien entendu, vous pouvez aller un tout petit peu plus loin et rajouter les 2 tiroirs en dessous et vous arrêter. Et ou alors aller plus loin et mettre tout l'ensemble avec les pots à crayon, les pots à brosse, etc. Alors, pour les dimensions et tous les schémas, en fait, je vous invite à dérouler juste en dessous en barre d'infos. Vous aurez le lien qui va vous emmener sur le 2e article de blog pour avoir accès à la suite du tuto. La première partie du tuto se trouve aussi sur mon blog. Ça sera l'article qui est en lien avec la vidéo précédente. Donc le tuto se présente comme ci, comme ça. Maintenant on a l'option des tiroirs et vous allez voir, on fait 2 fois la même chose tout simplement. Alors pour faire nos tiroirs, on va déjà faire un tour qui va accueillir nos tiroirs, un tour assez renforcé puisqu'il y a du poids au-dessus et on ne veut pas que tout s'affaisse. Donc pour cela, on va avoir besoin de 2 morceaux de papier qui mesurent 23 par 14 cm. Ça, c'est pour l'extérieur de nos tiroirs. Ici, je les ai faits en soyeuse succulente. Je suis restée dans les couleurs qui sont coordonnées au papier félin naturel. Et ici, pour les tiroirs à proprement dit, on aura besoin aussi de 2 morceaux de papier. Ici, ils sont en épinette enivrante de 19 par 18,2 cm. Vous allez voir que ici, on va avoir des mesures qui ne sont pas tout à fait rondes avec des chiffres à virgule, mais c'est vraiment pour que les tiroirs puissent coulisser correctement sans que ça ne bloque. Et on aura besoin de 2 petits morceaux de papier design qui mesurent 7,3 par 2,3. Alors c'est parti, on y va. On va commencer par l'extérieur de nos tiroirs. Donc là, il va juste falloir marquer les plis comme c'est indiqué sur le schéma. Donc en suivant notre schéma, on va prendre notre morceau qui mesure 23 par 14 et on va venir noter tous les plis. Donc sur le côté des 23 cm, on va se placer ici à 8 cm. Ensuite, on va marquer un pli à 11 cm. Ensuite à 19 cm.
Et ensuite, pour terminer, à 22 cm. Et sur le côté des 14 cm, alors peu importe que vous le preniez dans ce sens ou dans l'autre sens, c'est exactement la même mesure de chaque côté. On va plier à 3,5 de chaque côté. Donc on va se retrouver ici avec deux lignes horizontales et quatre lignes verticales. Et donc on a notre petite languette de 1 cm avec deux petits rectangles. Et on va, comme pour les boîtes, enlever les deux rectangles. C'est toujours un peu le même schéma qui revient. Donc ici, on enlève les deux petits rectangles en biseautant. Et ensuite, on va ouvrir toutes les languettes en biseautant de chaque côté de notre pli en fait. We've grown strong together, you know it's all because everybody plays a part in doing what we love. Je vais ensuite venir marquer tous les plis à l'aide de mon plioir. Donc une fois qu'on a bien marqué tous les plis, on va venir coller exactement comme pour les boîtes dans la vidéo précédente. On va venir coller et fermer. Donc, vous voyez, c'est exactement le même principe que pour les boîtes, sauf que maintenant, on ne va pas faire de fond, en fait, on va tout replier vers l'intérieur. D'accord ? Just look around and you can see it's so much more than stamps and ink. It's more than just a card you see. It's part of you, a part of me. Petit détail pour les languettes, en fait, elles sont un peu plus grandes que l'ouverture. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de ne pas mettre de colle trop au bord, histoire que quand vous allez passer comme ça, il n'y ait pas trop de colle ici sur la bordure. Je vous montre. Voilà, donc là je ne mets pas trop de colle ici, comme ça quand je vais passer, la colle ne va pas rester en face. Alors pour le premier côté, c'est pas très grave, c'est surtout pour le deuxième en fait. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc en faisant ainsi, vous voyez, on a vraiment doublé quasiment toute la surface. Il y a un petit jour au milieu, mais c'est pas très gênant. C'est vraiment pour éviter que ça se chevauche et que ça ne bloque le tiroir. Donc comme ça, on a quelque chose qui va être beaucoup plus solide. Donc je vais faire la même chose avec la deuxième feuille que j'ai déjà pliée. Et ensuite, on passera au tiroir. Anything is possible, it started with a dream. Our passion made a difference and built a family. We've grown strong together, you know it's all because everybody plays a part in doing what we love. You can bet it doesn't matter where you go. You find a friend who does just what show.
Voilà, donc là j'ai bien les deux supports qui vont accueillir mon tiroir et qui viendront donc se coller juste en dessous donc de mon premier présentoir. Donc maintenant pour faire l'intérieur des tiroirs, donc j'ai donc comme je vous ai dit mes deux feuilles qui mesurent 19 par 18,2 et on va faire des plis tout autour de la feuille à 2,8 et 5,6. C'est la même dimension sur les quatre côtés de la feuille. Et maintenant, je vais faire la même chose à 5,6. Alors on se retrouve comme ça avec 4 lignes horizontales, 4 lignes verticales et ce qui nous a créé 4 petits carrés ici dans les 4 coins et on va enlever en fait les 3 petits carrés les plus à l'extérieur, on va juste laisser celui du centre ici. Alors, pour cela, il suffit juste de couper sur les lignes pour enlever les 3 petits carrés. Donc, voilà ce qu'on obtient. On a bien enlevé nos 3 petits carrés sur les 4 angles. Il nous reste donc un carré ici qui est tout proche du centre. C'est ce qui va nous servir de languette de collage. Donc je vais ouvrir mes languettes et je ne les ouvre que sur un seul côté, sinon bah, la languette s'en va. Une fois que j'ai ouvert ma languette, je vais venir donc la biseauter de chaque côté. Et je vais faire ça sur les 4 languettes. Anything is possible, it started with a dream. Our passion made a difference and built a family. Toujours dans l'idée de renforcer notre tiroir, en fait, les rectangles qui sont les plus à l'extérieur vont juste venir se rabattre à l'intérieur du tiroir. Donc il va falloir qu'on les biseaute un petit peu pour que ça puisse passer sans que ça nous gêne au niveau du pliage. Donc là, il faut juste biseauter sur le premier rectangle, en fait. Change the way we live, focused on the sharing and the chance we have to give. You can do most anything. Donc voilà ce qu'on obtient une fois qu'on a enlevé les 3 carrés, qu'on a biseauté les grands rectangles et les petites languettes. Donc maintenant, avant de plier et de monter le tiroir, ce que l'on va faire, c'est qu'on va tout de suite faire le passage pour le ruban, pour avoir quelque chose pour pouvoir tirer le tiroir. Donc on va tout de suite poser notre papier à motif. Alors, c'est pas très compliqué, il mesure 2,3 par 7,3. Donc en fait, là, il va aller... Ici, ça ne va pas aller, vous voyez qu'il est plus grand. Donc, en fait, il suffit juste de venir le poser ici, comme ça. Donc, on va le coller. Alors, on fait attention parce que du coup, le tiroir, il va être visible comme ça. Donc, à mettre le papier dans le bon sens. Une fois que j'ai collé mon papier à motif, là, je vais venir créer des trous pour pouvoir passer mon ruban. Alors, la hauteur de mon tiroir, c'est 2,8. Oui, 2,8. Donc, c'est 1,4 le milieu. Alors, là, pour que ce soit plus facile, je vais replier mes deux petites languettes. Et je vais venir donc avec un crayon de papier ou un crayon, peu importe. De toute façon, ça va s'en aller. Donc moi je mets de mon plan de travail pour calculer donc à peu près 1,5 puisque là on est 1, 2, presque 3. Alors je peux descendre un petit peu. Hop, voilà. Et 1,5 c'est ici.
Voilà. Et à 2,5 de chaque bord, je vais faire une petite marque. Alors ici, je vais bouger un petit peu. Je suis toujours alignée. Voilà. J'ai une marque, une ici et une ici. Je vais ensuite venir créer des trous. Donc moi, j'utilise la Cropadil. Donc elle n'est pas distribuée par Stampin' Up, mais par contre, vous pouvez la trouver facilement dans les magasins de loisirs créatifs sans aucune difficulté. Une fois que j'ai créé mon ouverture, donc là je vais utiliser le ruban à tissage en chevron qui est en couleur épinette enivrante. Alors, je vais l'ajuster après, mais je coupe un bon morceau pour être sûre d'en avoir suffisamment. Et je vais venir le passer donc par devant, comme ça, dans chaque ouverture. Je le positionne correctement. Et là, je vais venir donc l'ajuster selon ce que je souhaite, comme pour pouvoir, je mets à peu près le passage d'un doigt environ. Et à l'intérieur, donc je vais venir ici le maintenir avec du double face ou du scotch, peu importe ce que vous avez sous la main. Donc là, je vais venir couper le surplus. Maintenant, je vais venir faire tous mes plis, marquer tous mes plis, et je vais ensuite monter la boîte. Donc, pour monter le tiroir, en fait, je vais mettre les languettes, comme ça. Alors, les languettes, là, pour l'instant, elles vont venir se rabattre après à l'intérieur. Mais pour coller plus facilement, en fait, et ne pas avoir de problème, comme on a biseauté les languettes, si on les appuie ici sur le pli, on va avoir quelque chose de travers. Donc là, je fais plutôt depuis l'extérieur, en sorte que le pli ici soit vraiment contre le bord qui est coupé de mon papier ici. Une fois que j'ai fait ça, et ben, il ne me reste plus qu'à rabattre. Donc, j'ai oublié de plier celle-ci. Il ne me reste plus qu'à rabattre les quatre grandes languettes qui sont ici vers l'intérieur. Ce qui fait qu'on n'aura pas ici le visuel de ces petites languettes comme ça, puisqu'elles vont être totalement cachées. Et je trouve que ça sera beaucoup plus joli comme ça. Et voilà un premier tiroir monté, donc qui va venir donc s'insérer ici dans mon support. Et voyez qu'il ne bloque absolument pas, il coulisse parfaitement bien à l'intérieur sans aucun problème. C'est pour ça qu'on a des mesures avec des virgules et quelques millimètres. C'est pour pouvoir vraiment l'ajuster afin que ça glisse et ça coulisse sans aucun problème. Maintenant, il me reste à faire le deuxième tiroir. Et je vais le faire exactement de la même façon. Donc maintenant que j'ai mes deux tiroirs, je vais pouvoir donc les assembler les deux ensemble. Et ensuite venir coller mon support juste par-dessus comme ceci. Et voilà, on a maintenant notre présentoir intermédiaire, c'est-à-dire le
petit modèle que l'on avait fait la semaine dernière, dans la vidéo précédente. Et on a ici les deux tiroirs qui coulissent. Alors, là, j'ai un petit accro, mais c'est rien de grave. Voilà, donc ici, nos tiroirs et tous nos rangements. Il nous reste maintenant, donc là, vous pouvez vous arrêter ici, si vous le souhaitez, bien entendu, puisque vous voyez qu'il est parfaitement... il n'y a rien qui dépasse. Ou alors, vous pouvez continuer avec moi. Nous allons réaliser les pots à crayons, les pots pour les brosses estompes. Et ici, le rangement pour les nettoyants. Alors, on va démarrer avec les deux pots à crayons et les deux petites boîtes pour les brosses estompes, puisqu'on pourra encore une fois s'arrêter là sans faire le rangement ici en longueur. Pour les quatre boîtes qui vont être ici, je vais le faire en accéléré, puisque c'est exactement le même montage que pour toutes les boîtes qu'il y a ici. Et il y aura juste à suivre le schéma. Donc les pots à crayons ici, I et J, c'est exactement la même taille. Donc vous avez le schéma ici, il faudra juste suivre le schéma. Et pour les deux boîtes pour les brosses estompes, c'est K et N, vous aurez juste à suivre aussi ce schéma-là. Je vous rappelle que vous pouvez dérouler en dessous en barre d'infos et vous allez arriver donc sur mon blog avec ce tutoriel à télécharger. Vous avez aussi... ici, donc tous les papiers à motifs pour décorer chaque boîte, puisqu'ils sont différents selon les boîtes. Alors, on va démarrer par les deux pots à crayons, et pour cela, on aura besoin donc de deux morceaux de papier cartonné qui mesurent 21 par 19. Et pour les papiers décorés, on va avoir besoin donc pour le pot à crayon qui est à gauche de deux morceaux de 4,5. Non, pardon, de un morceau de 4,5 par 2, un morceau de 4,5 par 7 et un morceau de 4,5 par 11. Pour le pot à crayon qui est au milieu, donc le J, on aura besoin d'un morceau de 4,5 par 11 et un morceau de 4,5 par 2. Alors, je vais démarrer par faire tous mes plis, toutes mes coupes et monter mes deux pots à crayon. One card at a time can really change the way we live. Focused on the sharing and the chance we have to give. You can do most anything, so just do what you love. Live it, share it, you know it's what you're dreaming of. What we love, what we do makes a difference in me and you. All these years of inspiration and love. More than stamps and ink, it's more than just a card you see. It's part of you, a part of me. It's creativity. Do what you love, live it, share it, you know it's what you're dreaming of. It's what you're dreaming of. What we love, what we do makes a difference in me and you. All these years. Voilà, donc maintenant que j'ai mes deux pots à crayon, je vais venir donc coller mes papiers à motifs. Et pour cela, donc il y a bien un qui va être au milieu et celui-ci, c'est celui qui va être complètement à gauche. En fait, ils vont venir se mettre comme ceci. Donc ici, on va avoir cette face-là qui va être visible. Et ici, un tout petit peu devant. Regardez. Vous voyez, à peine. Et pour celle-ci, on va avoir la face de devant, la face de derrière et un petit peu aussi sur le côté. Si on met le rangement, le morceau va être plus petit. Si vous ne mettez pas le rangement à côté pour les nettoyants, il faudra découper un morceau qui va donc jusqu'en bas ici, en fait. Pour le pot qui est ici, je vais mettre celui-ci. Non, c'est l'inverse, pardon.
ça va être ça. Donc là, j'ai trois morceaux. Donc le grand va aller derrière, le moyen va aller sur le côté à gauche et le plus petit va aller devant ici. Anything is possible, it started with a dream. Our passion made a difference and built a family. We've grown strong together, you know it's all because. Donc ici, ça sera bien le devant qui va être caché par le rangement des mousses 3D. Ici, il est plus petit puisqu'il va y avoir le rangement pour les nettoyants. Et ça, c'est l'arrière. Si vous ne faites pas le rangement pour les nettoyants, vous pouvez couper un morceau qui fait la même taille que celui-ci pour descendre ici jusqu'en bas. Pour le deuxième pot à crayon, donc il n'y a que deux faces visibles, donc celle de l'arrière et celle du devant. Donc je n'ai besoin que de deux morceaux qui sont décoré, donc un petit qui va venir devant et un grand qui va venir derrière. Voilà, donc ils viendront s'installer par la suite ici. Donc vous voyez que j'ai bien l'arrière qui est décoré et le devant, donc juste ce qu'il faut pour décorer. On n'a pas besoin de décorer jusqu'en bas. Et sur le côté aussi. Je vais maintenant faire les deux boîtes qui vont venir accueillir donc les brosses estompes. Et donc pour cela, je les ai fait vraiment plus fines pour pas qu'elles basculent à l'intérieur du pot. La taille a été calculée en fonction pour qu'elles puissent toucher au fond de la boîte sans que ça n'appuie, sans que les poils ici n'appuie sur le rebord comme ça pour pas les abîmer en fait. Donc pour cela, donc c'est les boîtes K et L et on va avoir besoin de deux morceaux qui mesurent 18 par 16,5. Et pour les décorer, donc toujours sur le même principe, pour la boîte K, on aura besoin d'un morceau qui fait 5,5 par 5,5 et un morceau qui fait 2 par 11. Et pour la boîte L, un morceau qui fait 2 par 11 et un morceau qui fait 5,5 par 11. Donc, vous les retrouverez bien entendu sur le schéma. Et comme je vous l'ai dit précédemment, c'est toujours le même système de montage. Anything is possible, it started with a dream. Our passion made a difference and built a family. We've grown strong together, you know it's all because everybody plays a part in doing what we love. You can bet it doesn't matter where. Voilà, donc mes deux boîtes sont maintenant montées et elles vont venir donc s'installer ici comme ceci. Donc vous pouvez voir, alors je vais les faire comme ça, que ici on a un grand morceau. Donc c'est pour ça, donc sur la boîte K, en fait, on a un morceau de 5,5 par 5,5 qui va venir devant et un autre morceau qui fait 2 par 11 qui viendra sur le côté. Ça c'est pour la boîte de devant. Pour la boîte de derrière, et ben on aura un morceau qui fait 2 par 11 aussi, qui viendra se mettre sur le côté, et un autre morceau qui fait 5,5 par 11, qui viendra s'installer sur l'arrière. It's creativity.
fait deux pots à crayons, mais deux boîtes pour les brosses estompes. Et je vais pouvoir venir maintenant les assembler, alors que je ne me trompe pas, hop, comme ceci, avec mes deux pots pour les brosses estompes qui vont venir ici. Et je vais les coller toujours de la même façon que j'ai monté tout le reste. Quand je vais venir coller donc les pots à crayon contre ici, je fais surtout attention de ne pas mettre de la colle ici sur les tiroirs. Alors on peut même éventuellement les enlever pour éviter et de se tromper et de faire une erreur. Voilà, donc là on a notre présentoir à adhésif, la première partie. Deuxième partie, en rajoutant les tiroirs ici qui coulissent. Et là on vient de rajouter donc les pots à crayons et les pots pour les brosses estompes. On peut s'arrêter aussi ici, mais moi j'avais envie de rajouter ici un petit bac pour accueillir les nettoyants et la colle de précision. Et là je vais vous montrer comment faire, puisque vous avez vu que quasiment toutes les boîtes, il n'y a que les tiroirs qui étaient un petit peu différents, étaient toutes montées de la même façon. Par contre, pour cette boîte, comme on a des feuilles A4, je ne pouvais pas le faire en une seule fois, donc je vais vous montrer comment monter cette boîte ici en faisant deux parties. Alors pour cela, donc là c'est cette fois-ci la boîte M, et toujours pareil, vous l'avez aussi donc sur le schéma, et ici vous devez donc avoir deux morceaux qui mesurent 17 par 11 cm, donc deux fois pour une seule et même boîte. Et ensuite eh bien, il suffira de suivre les schémas de pli. Donc on va plier sur le côté des 11 cm, on va plier à 2 cm et à 7 cm. On va plier sur le côté des 17 à 12 et à 16 cm. Et on fait ça sur les deux morceaux. Voilà, donc on a nos deux morceaux. Toujours pareil, on a ici une languette de 1 cm de chaque côté. On va enlever ces deux morceaux ici, donc toujours en biseautant hein, pour avoir vraiment quelque chose qui plie bien et qui ne bloque pas. On va maintenant ouvrir, donc ici on a une languette carrée, ici une petite languette rectangulaire, on va aussi ouvrir de chaque côté. Toujours en biseautant. Donc voilà ce que vous devez obtenir, donc deux fois la même chose. Et maintenant je vais marquer donc tous mes plis. Donc vous l'aurez compris, en fait on va assembler ces deux morceaux pour faire un grand morceau pour pouvoir ensuite finaliser notre boîte. Alors la petite astuce pour être sûr d'avoir quelque chose qui soit bien droit, ça va être de venir, donc là elles sont positionnées les deux dans le même sens, je vais venir tout simplement retourner celle-ci ici et regardez, donc je vais replier la petite languette
et je vais les mettre vraiment bien en bord à bord. Alors ici aussi. Donc ici, il faut que ce soit bien en bord à bord tout en ayant la languette repliée. Et regardez, tout en maintenant le tout, en fait, je vais venir ici mettre de la colle sur ma languette. Et ensuite, donc, je maintiens de ce côté-là et je vais venir coller comme ça. Comme ça, je suis sûre d'avoir quelque chose de bien, bien droit, en fait. Hein. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc là, je replie. J'ai ma languette, cette fois-ci, qui est ici. Hop. Et je vais venir refermer tout ça. Vous voyez, comme ça, quand je vais déplier, j'ai vraiment quelque chose qui est bien rectangulaire, sans que ça vrille. Ici, donc, on a une petite languette d'un côté, une grande languette de l'autre. Là où il y a les grandes languettes, ça va être pour faire le fond de la boîte. Donc, toujours pareil, je replie une grande languette. Je mets de la colle sur les deux petites. Hop, je referme. Et ensuite, je mets de la colle sur la grande pour refermer proprement le tout. Et vous l'aurez compris, les petites languettes, comme pour les autres boîtes, vont venir se replier à l'intérieur. Pour venir décorer cette boîte, je vais avoir besoin donc de deux morceaux de papier à motif qui mesurent 3,5 par 4,5 pour mettre devant et derrière, et un morceau qui fait 11,5 par 4,5 pour venir décorer tout le côté gauche. Donc voilà ma petite boîte pour accueillir ici les nettoyants, que je vais venir installer sur la gauche de mon présentoir, donc toujours de la même façon. Et voilà, notre grand présentoir est maintenant terminé. Donc, il ne me reste plus qu'à venir mettre ici le dérouleur de colle, les mini points de colle, le double face, mes ciseaux, ici mon plioir, mon outil touche à tout. Ici, je vais pouvoir mettre trois brosses donc dans chaque bac ici. Ici, je peux venir mettre mon nettoyant Stampin' Mist, le nettoyant pour la Stazone, la colle de précision. Ici, je vais pouvoir mettre plein de Stampin' Dimensional, les noirs, les blancs, les petits, les moyens. Ici, mon tube de colle. Et ici, vous avez un bac pour vos crayons, vos pinceaux aquarelles, les Wink of Stella. Enfin, tout ce que vous avez envie de ranger. Regardez, il y a quand même énormément de place dans ce présentoir, et je trouve ça vraiment hyper pratique d'avoir tout au même endroit. Hop, regardez, énormément de place pour ranger tout ce dont on a besoin. Et ici, deux petits tiroirs où moi j'avais mis donc ici une recharge de mastic de l'outil touche à tout, l'outil avec les stylets, et de l'autre côté, j'ai mis donc la petite brosse pour l'outil touche à tout pour enlever les petites découpes quand on fait des découpes à jouer, ma gomme pour enlever la colle, pour enlever les traces de colle. Et voilà, regardez tout ce que l'on peut mettre. C'est sympa, non? J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez trouvé ce qu'il vous faut et ce dont vous allez pouvoir faire, parce que vous avez vu qu'on peut avoir non pas trois tailles, mais quatre tailles. Je m'étais arrêtée à trois, mais effectivement, en le faisant une deuxième fois, je me rends compte qu'on peut aussi
se passer de ce rangement-là pour avoir les pots à crayons et pour les brosses estompes. Donc ça vous fait quatre versions différentes. La petite, celle, la petite avec les tiroirs, la petite avec juste les pots à crayons et les brosses estompes, et la grande avec en plus ici le rangement pour les nettoyants. Voilà, n'hésitez pas à me montrer vos versions. Je vous rappelle que ici je l'ai travaillé avec du soyeux succulente, épinette enivrante et le papier design félin au naturel que j'adore. Il est vraiment très 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 joli. Vous retrouverez le tutoriel complet, le schéma complet avec toutes les dimensions dont vous aurez besoin en déroulant juste en dessous en barre d'infos. Vous aurez le lien vers le blog et je vous rappelle que la première vidéo est juste avant celle-ci. Je vous remets le lien juste ici. Je vous remets le lien juste là pour accéder à la première vidéo. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.